Directement le grab qui est passé en bois dominant qui est qui s'y fait, la fissure glaciale évidemment de la part de Erdot ici. Mais là, tu Dominant qui va survivre tout de même. Bananito qui continue à déplacer. On va essayer de mettre le grab pour Raxo. Dommage. Et ça enchaîne, mais les Panathinaikos qui sont tellement aggro sous une tour. Ah, c'est dommage, il manque un tout petit peu de dégâts sur la Sejuani et sur le Brome pour qu'on puisse voir Raxo s'en donner à cœur joie au niveau des dunks. Mais du coup, la pression est largement suffisante pour que les Panathinaikos avancent au niveau de cette T1, troisième T1 de récupérer, mon cher Gardoum. Ça progresse, ça avance doucement, mais sûrement. Les Grecs, pour le moment, qui sont en position de force. Parisgro qui va aller rect déflesser Clément Play. Dick, Matic. Il livra la potion qui fait du bien. Utilisez toujours des potions en trade. C'est incroyable hein, à quel point une potion ça peut sauver des vies comme ça. Oui, effectivement. Malgré l'Ignite. Et en tout cas, c'est loin d'être la crise hein, du côté des Panathinaikos. Ça avance bien. L'avantage de gold évidemment est significatif à 16 minutes de jeu. 5000 gold d'avance, mon cher Gardoum, c'est considérable. Maintenant, à voir, est-ce qu'ils vont arriver à le transformer? Est-ce qu'ils vont réussir à jouer agressif tout au long de la partie? En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour le faire. Finalement, avec un Xinzao et une Poppy sur la top lane, on a quoi évidemment dive de manière assez aisée. Et on l'a bien vu. On l'a bien vu du côté de Dominion qui n'a pas essayé à rentrer dedans sur la T1. Ils osent, mais là c'était peut-être un petit peu too much. En tout cas, moi ça montre que les adversaires doivent les craindre. Et pour le coup, on rappelle que les Panathinaikos et les Atamaga, c'est le groupe C, c'est un peu le groupe de la mort. C'est le groupe aussi, on a la Team Atlantis et les Mad Lions. Donc on a quand même un français là-dedans, on a Darlik hein, côté Team Atlantis. Moi je soutiens la Team Atlantis juste pour ça. Et pour le prochain objectif, c'est quoi? Ça va être un dragon, parce que c'est vrai que les dragons ont été faits assez tôt dans cette game. On devrait en avoir un troisième juste avant le pop du Baron d'Achor. On n'a pas encore l'information sur l'élément de ce prochain dragon. Et les Panathinaikos ici qui doivent absolument, pendant ce temps-là, c'est aller prendre la vision d'un jungle adverse. T'essayes vraiment d'étouffer les Atamaga, t'essayes de les enfermer au niveau de leur T2. Comme ça, tu peux bénéficier de ressources supplémentaires avec Krug, Corbin, Lou, Gromp et potentiellement des buffs. Ouais. Tout à fait. Allez, 5000 gold d'avance là pour un moment pour les Panathinaikos. Pour le moment la pression qui est bonne aussi installée au niveau des lanes, il n'y a pas vraiment d'objectif à aller chercher, pas de dragon à l'approche, pas non plus de Nashor. Donc on va essayer d'aller focus les T2, ce qui va être difficile quand même d'accès. Il y a quand même beaucoup de webplier hein, du côté des SM entre ce Jarvan et Corki. Ça va être difficile d'arriver à progresser après le 1-3-1 et à leur avantage. C'est leur avantage, puis c'est bientôt le niveau 13 de ce Vladimir. Et niveau 13 de Vlad, on connaît évidemment les dégâts de zone. Côté Zatamaga, on va essayer de sortir. Hein. On reprend le contrôle de la jungle A4, ils n'ont pas le choix. C'est un petit peu dangereux pour eux. Dominant Raxo et Bananito qui arrive. On a Parisgreux qui est juste en dessous. Et le Gromp qui va reset. Bon, ouais. Ce sera un boubaf de défendre du côté Zatamaga et c'est à peu près tout. Ouais, ça bouge bien effectivement du côté des panaches et otakus. Waouh! 1 minute 20 avant le dragon, 1 minute 30 avant le Baron Achor, Nono, la Berka qui est disponible du côté de Bananitos. On est en train de faire la Ginzu qui pourrait être dispo pas loin au niveau de Tami Baron. Il doit faire un bac, je pense, Bananito, il doit avoir quelques gold en poche. Et Tanky sur les corps, ben, je suis quand même assez agréablement surpris de la part des Atamaga qui arrivent à avoir un bon contrôle de jungle, les Panathinaikos qui mettent pas trop de pression là-dessus. Et on devrait faire un reset, se regrouper, prendre le Drake côté Panathinaikos. Après Rotato Pognon, Tomatos Oignon, Panaché Tacos. Panaché Tacos. Ça va tellement bien. Excusez-moi, cette vanne était juste beaucoup trop bonne. T'es souple, non, comme mec? Hein? T'es très souple? Oui. Quoi? C'est dire quoi, t'es souple? Après avoir dit cette vanne était beaucoup trop bonne, d'une vanne que tu fais toi-même. D'accord, oui. Bah, je suis un très bon public. C'est bien. Moi, c'est ce que je te disais, c'est toujours agréable de caster avec toi, c'est toujours un spectacle. C'est un bon moment de venir travailler finalement. Autant la Pana Kota Otakos m'a pas trop séduit, le Panache Otakos. Ah, celle-là, c'était. Qui cherche le meilleur combo? Ma meilleure vanne. Oui. À toi, d'essayer de trouver. Sachant que ça commence par Pana, c'est pas facile. Hein. Ah.
Ouais, ouais, c'est un bon exercice, hein, mon petit gars. Et en tout cas, le dragon infernal qui a pop là pour le moment. L'équipe Blue Side est installée autour de l'objectif. Hein. C'est très compliqué du côté des SM, évidemment, d'arriver à progresser, d'arriver à dépasser leur propre jungle. Donc, c'est pour ça qu'on voit bien, évidemment, c'est des wards majoritairement défensives. Ils savent bien que la cause ça marche pas. Mais quoi ? Patato Clacos. Ah, si, ça peut marcher. Ah, Patato Clacos. Oui, il faut arriver à le caler dans une phase en gardant son sérieux. C'est très compliqué, c'est un objectif supplémentaire. Et pour le coup, les patates claquent aussi, sont en train de faire le dragon infernal pour aller faire griller le camembert des Atamaga juste après le baron Asher qui est disponible. Deuxième infernal pour cette équipe. On a bientôt le Morelonumkan du côté de Paris Greux et sur la top lane, de plus en plus tanky, hein, du côté de Delito. Il est ultra bien sur sa poppy 1-0-2, les 196. Le problème, c'est qu'il va être très fort en 1v1 avec ses dégâts et en plus de ça, il va faire office de front lane. Ouais, et allez, en tout cas, on a pu récupérer du coup un deuxième dragon infernal. Ça commence à faire beaucoup. Il faudra se méfier des patates aux churros. Wow. Ok, j'arrête. Mec, j'arrive pas à garder mon sérieux dès que je parle de leur équipe. Et du coup, par contre, ils sont toujours très bien. On va pouvoir redoubler d'efforts maintenant au niveau du warding autour de ce Nashor. Le panachor au... Je sais pas, au... au Calandos. Aïe aïe aïe. Après, y'a pas grand chose de... en termes culinaires qui commence par Pana, à part Panna Cotta. Non, y'a pas grand chose. Panaché, mais ça se boit. Panna. Panna. Non. C'est non. Et en tout cas, la vision pour le moment qui va être conservée évidemment autour du Nashor. Hein, maintenant, c'est tout le jeu de la part de l'équipe grecque évidemment d'arriver à avancer les wards le plus possible dans la jungle directement adverse. Sauf que les SM Patato ne sont pas nés de dernière pluie. Patato Cheetos ou Panaché Calvados. Ouais, tu peux. Là, vraiment, fais-toi plaisir, mais faut t'arriver à te caler en gardant ton sérieux. Ça, c'est ouais. Très dur. Ouais, moi, j'ai pas réussi à le faire. Je trouve que c'est pas adapté puisqu'ils sont en train de gagner en plus. Et alors je suis agréablement surpris par leur jeu. Quand, du coup, je préfère leur beau jeu. Quand ils perdent, tu veux les enfoncer, mais. Bien sûr. Mais quand ils gagnent, il faut être. Faut être gentil. Il faut être lisse avec eux. Non, mais pour le moment, c'est vrai qu'ils jouent vraiment bien. En plus, ils sont en contrôle de card. Bon, il se passe pas grand chose en 2 minutes de jeu. Il y a 4 à 1. Mais dans tous les cas, les SM ont décidé de fermer complètement la maison. Et peut-être un engage. Premier engage de la part des SM. Sauf qu'il n'y a pas de follow-up. C'est une Sejuani. Il y a un Broom seul. On essaie de faire un engage. Quel dommage de la part de Raxo de ne pas avoir tanké l'ultimate de Sejuani. Mais finalement, ce sera un Vladimir voilà, qui arrivera à se mettre en sécurité Delito, avec Delito, son flash. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Peut-être Delito. Il tamponne pour les repousser. C'est ah, y avait pas TP, vraiment de follow-up. Flash, tampon, allez-vous-en. Ouais, du coup, il va falloir récupérer ce Nashor. Ils peuvent le faire, hein, Bananito a dû quand même récupérer sa Ginzo et sa BRK, ce qui est tout à fait correct. On hésite pour le moment, et on va l'engage. Instantanément, on va pas prendre le temps d'aller récupérer ce Blue Trinket pour être sûr de pas offrir l'information évidemment au SM, mais on voit bien que ça tombe très vite, hein, avec une HP. Avec un Varus, 5000 HP, 4000, 3000, est-ce que Tanky peut arriver à faire l'exploit, sachant qu'on va faire directement un engage sur la Sejuani. Tanky, deuxième kill évidemment, sur Agressivo qui est prêt à partir, Deflesse dominant, qui est dessus, dominant, qui est en train de dominer Deflesse du début à la fin, Roisson, qui pourra pas mettre ses dégâts malheureusement, Raxo, qui devrait tanker suffisamment, c'est un triple kill du côté de Paris Greux, 4 kills en faveur des Panathinaikos ici qui prennent 9k gold de l'avance. Nono, ouais, très très bien joué de la part des effectivement des Panathinaikos qui ont pu récupérer ce Nashor 4-0-2 pour ce Vladimir. C'est pas mal, un Nashor qui a été sécurisé par Bananito d'ailleurs. C'était assez drôle puisque Erdon a tout tenté pour arriver à le KS puisqu'il a vu évidemment que Zimzao était pas dans le pic du Nashor, donc il a tenté un petit flash-in. On sait jamais avec un spell bien inspiré. À partir du moment où le jungler est pas là, il a complètement raison. Ouais, il fallait le tenter. Un peu le barreau d'honneur, dans tous les cas il savait bien, hein, le support des DSM, que s'il perd des Snashers c'était la fin de la game instantanément. Et on va le voir, c'est joué à combien? Ah, c'est joué à peu. C'est joué à peu. Pareil du côté de Raxo, ça s'est joué à très peu, il survit à 40 HP. Du coup ça se déroule bien pour les Grecs ici, 9000 gold d'avance. J'avoue que j'en sensais pas mal les Atamaga et leur teamfight en début de partie. Mais finalement la laning phase et l'agressivité des Panathinaikos ici, notamment leur domination de jungle, leur a permis de gérer toute cette game du début à la fin sans aucune contestation possible finalement de la part des Atamaga. Et ça c'est un gros problème parce que maintenant la Poppy est ultra tanky. Évidemment on a beaucoup de dégâts sur ce Xinzao, hein, c'est la Trinité, c'est le Tiamat, ça fait deux games de suite on a vraiment des junglers agressifs. Oui, effectivement. Et là pour un moment rien ne les arrête. Ils sont décidés évidemment à broyer ces pelonnés et en faire du Tatsiki. Il avance, il progresse, le tampon directement de la part de l'élite. Regardez les dégâts monstrueux qu'a fait cette Poppy à l'aide évidemment des creeps.
4, oh là là. C'est un roison qui a pris 90% d'HP en moins. Ça push top, ça push mid, ça push bot. On a libéré l'inter sur la mid lane Nono maintenant. Il faut aller chercher les creep bot juste après. Puisque top, ça a été repoussé de la part d'Aggressivo. Pas les bots là à côté Panathinaikos, hein. Pas besoin de s'embêter, bot side ça reste un peu plus intéressant de débloquer l'inhibiteur. Ouais, même pas, ils se disent qu'ils ont les creep top. J'ai l'impression qu'ils veulent finir la game hein, surtout. Oh là là, niveau 15 du côté de Paris Gro, 3000 HP en plus sur ce Vladimir, donc il va être très dur à tomber, sachant qu'en face, on n'a pas de quoi canceler les heals, pas de Moreno de Mikon, pas non plus de l'âme du bourreau. Forcément Paris Gro, il va s'en donner à cœur joie. On a encore les mots plague et directement l'engage qui a été fait de la part de dominant la prison de glace défensive de la part de Tanky ici. Les mots plague, on recule du côté des Atamaga, on tente de revenir déflesse ici sur Paris Gro, mais ce sera pas suffisant. Il était sous exhaust pendant qu'il était en bout de basse. Attention Paris Gro, tout de même on se retrouve premier kill en faveur de dominant, deuxième kill pour les Palatinaikos. On va peut-être enchaîner déflesse, le grab qui ne passera pas, la T4 qui est agressée Nono. Tu vois comme quoi je t'avais pas menti, hein. Effectivement les Grecs qui vont finir cette game en 26 minutes de jeu, 10 à 1. C'est une véritable leçon qu'ils ont proposé OSM, pourtant qu'ils sont donnés corps et âme pour arriver à remporter évidemment leur place dans ce tournoi. Ah bah les Grecs ont fait retirer les SM à la broche. Ouais, exactement. Et notamment mené par ce Xinzhao hein, dominant qui a fourré ses SM à coup de lance. Complètement. C'est vrai qu'il n'y avait pas du tout de réponse du côté de l'équipe Blue Side, donc très très belle opération. Maintenant pour le moment, écoute mon cher Gardoum, on a des équipes très agressives. Très agressives effectivement, ça fait deux games de suite, on a de la jungle. Sauf peut-être Nip, la première game était un peu ouais, un mais peu Nip c'était sloppy, et ils ont fait une super phase de lane en mode on domine hard la lane, et Larsen après a fait Nimp en mode solo queue, je fais des moves, vas-y YOLO 1v3 ouais, sous des tours. C'était un peu bizarre comme NIP, mais après c'est... On commence à s'habituer à eux, je pense pas qu'ils iront très loin en jouant comme ça quand on voit le niveau qui peut être affiché actuellement par les équipes. On va se quitter pour une courte pause et se retrouver juste après pour la première équipe française, dans tous les cas, qui jouera face à Turing Esports, face à la Lituanie, ce sera Gamers Origin. À tout de suite.